La MPA est déjà mise en place pour mesurer l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable. L'efficacité énergétique est déjà un peu implémentée et ça peut aider nous à baisser notre consommation d'énergie dans le monde bâtiment. Enfin, de l'autre côté, nous travaillons sur l'énergie renouvelable et déjà nous avons un contracteur qui est venu mobiliser pour l'installation des panneaux solaires et là nous pouvons exploiter l'énergie renouvelable. Et maintenant, avec le projet des Nations Unies sur l'Unctad Sustainable Smart Home, nous pouvons évaluer nos potentiels pour améliorer notre efficacité énergétique et aussi augmenter notre capacité pour produire l'énergie renouvelable. L'étude est déjà en cours et l'expert est déjà là. Et nous avons fait un desktop study, là j'ai mis un meeting avec les stakeholders. Et à partir de là, je peux faire un roadmap pour nous dire voilà, quels sont les projets nous allons implémenter. Bien sûr, avec les cost-benefit analysis. Les bénéficiaires sont que des pays africains, que des ports africains. On commence par l'île Maurice, on a le Ghana et on a aussi le Maroc, Tanger. Et on a commencé par l'île Maurice, on a fait une analyse par rapport à plusieurs critères de connectivité maritime, par exemple, était un de nos critères. Et plus important, qu'il y ait déjà une base de réforme qui existait solide. Et par rapport à la transition énergétique, et par rapport à la transition énergétique dans le port. Donc on sait bien que l'île Maurice a avancé des réformes par rapport à greening the port. Donc il y a ce concept de durabilité qui est bien présent dans les stratégies de l'île Maurice. Donc c'est la conjonction de tous ces facteurs et qui nous a menés à l'île Maurice et on est très contents d'avoir commencé par l'île Maurice